Ça, c'est un super choyé, là. C'est un refuge. Faut quand même faire 16 km de montée, mais pas si mal. Mais quand t'as tout à peu près 650, 600 mètres de montée. Quand t'as toute la bouffe, c'est un petit peu pesant. Ouais. Parce qu'on a eu un très bon partage de poids. C'est les sacs que tu choisis. En gros, moi, mon sac, il prend plus de choses dedans. Fait que j'ai pris toute la bouffe, le brûleur, tout le kit de cuisine. En fait, tout ce qui est commun, je l'ai. Mais moi, j'ai le savon, le shampoing. Ouais, parce que c'est drôle, parce que on n'a pas souvent l'occasion de dormir au chaud. Là, on a un refuge qui nous coûte pratiquement rien, c'est 5$ la nuit. Il n'y a personne, c'est ça le pire. Un beau chalet en bois rond avec un poêle à bois. Bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, rien. Là. Sauf qu'on va se faire bouillir une grosse chaudière d'eau, puis on va se laver les cheveux. Ça, ça va être le gros trip à Nanu. Puis justement, dans cette ligne de pensée, on parlait de ce qui nous manquait. On a commencé par la bouffe. Je sais que Marius manque le steak. Ouais, moi, là, ce qui me manque le plus, c'est une espèce de gros steak, là. Je pense qu'on devrait se payer un beef Angus, un black beef Angus, à un moment donné, ou quelque chose comme ça. Puis du fromage. Fromage, là. Définitivement. Je pense qu'on a un bon déjeuner là, québécois, le œuf, bacon, patate. Des beans. Du sirop d'érable, ouais. Parce que là, on va se payer du sirop de maïs, probablement. Ça, c'est pas si grave, à nous, toi. Ouais. Je mange pas tant. Ouais, mais c'est pas si vrai. Sinon, mais on discutait de... Mais en fait, on fait notre vidéo confessionnelle. On va partir sur une nouvelle section sur notre blog. Là. Ça va être le confessionnal. Fait qu'on parle de la vie de tous les jours, nos dessous, apprécie tout. Grandement la chaleur plutôt, puis... Parce que c'est fun de dormir dans la vanne plutôt, mais... Quand t'es toujours au froid, t'as dormi... Au froid, mais on dort quand même bien. Moi, tout au froid, ton slip, il... Ouais, j'ai tout le temps froid sur mon bord qui est collé sur la vitre, parce que je suis collé sur la vitre. J'ai voulu échanger avec toi maintes et maintes fois, t'as jamais voulu, là. Ouais. Ça fait genre 4 jours, 5 jours que je traîne un torticolis. Essaye de te défaire d'un torticolis quand tu dors, genre, au fret dans une vanne. Mais moi, c'est plus dormir au froid. Tu te lèves, fait froid. Notre chaleur, on l'a quand on va aux toilettes le matin. Si on est dans le parking, toilettes avec c'est drôle. Hier, là, on est allé au Dollarama, là. Puis on tripait, là. On est resté là juste pour voir les choses. Mais en réalité, c'était comme une excuse parce qu'on était tout content d'être au chaud. Parce que c'est quand même froid hier, il faisait... Bon, alors là, on est au Walmart. C'est quand même drôle parce que quand on reste dans une ville plusieurs jours, ça ne nous dérange pas d'aller squatter dans un café. On est un petit peu plus à l'aise de profiter de la chaleur sans trop dépenser. Mais quand on vient juste d'arriver dans une ville et qu'on voyage, on dirait qu'on est un petit peu plus mal à l'aise. Fait qu'on finit toujours par se ramasser dans un magasin grand rayon à chercher rien. On fait juste de se promener. Comme là, Manu est en train de magasiner, rien. C'est quand même vraiment drôle. Bonjour. Au moins, il fait chaud ici. Ouais, ça sent bien. Il annonce à peu près moins 1000 ce soir. Hein. Donc, on a comme pas le goût d'être trop longtemps dans le char. Fait qu'on se promène dans le Walmart. C'est assez grand, ça fait une longue marche. On la trouve quand on monte là, 600 mètres sur 16 km. C'est une montée très tranquille, non? On réalise jamais qu'on monte, en fait, c'est un faux plat tout le long. Mais c'est là qu'on trouve notre chaleur. D'un coup, on est en sueur à monter, puis à porter un, je prends une livre sur le dos. Fait que c'est comme le moment où on a chaud, on est bien. Parce qu'on arrive au refuge, puis tout est gelé. Parce que là, on est correct, on a parti. On fait des compétitions de qui a trouvé la meilleure toilette. Comme hier, on est arrivé à la toilette du Touriste Info. C'était drôle. Vraiment cool, là, le Touriste Info de Smithers. T'arrives dans la toilette, là. Puis c'est une toilette simple, ça sent super bon, c'est extrêmement spacieux. Il y a un panier avec des tampons, des Q-tips, des serviettes, du mouthwash. Laver les oreilles. Alors, Manu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit des Q-tips dans la toilette du Touriste Info, puis elle sort toute heureuse parce que c'est torcher les oreilles. Puis je me suis mis la crème en main parce qu'il y avait la crème en main. Ouais. C'est génial. On dirait qu'on abuse quand on trouve des choses comme ça. J'ai pris un Q-tips. J'ai quand même pas fait une réserve de... Non, je sais. T'as le goût d'abuser, en fait. Tu regardes ça, c'est comme, waouh, je pourrais me pousser avec un panier, genre, de Q-tips. Non, non, on a quand même, mais... Puis sinon, moi, je pense que c'est mes cheveux.
Sérieusement, d'habitude, je me fais sécher les cheveux et tout. Et ouais. Là, c'est quand ils sont lavés, ben, ils sèchent comme ça et ils sont toujours attachés. En fait, depuis le début du voyage, t'as eu droit une fois à un séchoir. C'était chez Olivier, à Squamish, Olivier puis Catherine. Mais en fait, ça doit pas être Olivier, ça doit être à Catherine ou à Marie-Rose. J'ai trouvé un séchoir. Et j'ai... Ouais. J'ai trippé. Moi, ouais, je me suis... Mais un massage, j'avais pas mon frère. Mais c'est pas grave, mais quand même, les spécialités sont pas au moins beaux. Ouais. Mais bon. Mais... Mais ça, moi, les cheveux, ça me dérange. On a peut-être les cheveux courts, mais moi, c'est... Vu que ça en vient de long, pas mal, mes cheveux, là, si t'en occupes plus. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, ouais, quand je me fais ma momoute, là, je me fais ça, mais ça cartonne un peu trop les cheveux. Tu sais, d'habitude, je fais ça en voyage, mais en d'habitude, on a quand même une douche tous les jours. Je trouve ça. Donc là, c'est comme ça. Non, mais là, ce qu'on s'est dit. Ah, quand on se lave les cheveux comme ça, c'est magique qu'on lave les cheveux. Ça me fait penser à quand ma maman me met la tête dans le lavabo quand j'étais petite. Ouais. En gros, là, on prend... Ben, on l'a fait dans la vanne une fois, là. Dans notre vanne qui a brûlé, elle bolit d'eau. Moi, j'ai des photos. Une bassine en dessous, mets tous les cheveux dedans, verse une casserole d'eau par-dessus. Là, tu reprends l'eau parce que tu veux rincer après avec ça. Fait que tu retransvides, tu fais ça plusieurs fois, puis mon l'eau est souillée dégueulasse, là. Mais c'est moi, ça. Non, c'est moi, j'ai eu la belle eau, toi, t'as eu l'eau. Moi, j'ai eu l'eau toute usée, là. Mais ça me tentait même pas de me laver les cheveux. Un matin, je me souviens, un soir ou un matin? Un soir. Un trip, je voulais me laver les cheveux et that's it. C'est dans un stationnement, c'est dans un stationnement du Walmart à Nelson. Je sais pas pourquoi, là, mais tout d'un coup, il fallait se laver les cheveux. C'est comme ce soir. Il y avait comme rien à faire. Là. Il fallait se laver les cheveux right now. Après trois jours, je me suis lavé les cheveux. Là. Ça, normalement, j'ai le goût de me laver les cheveux. Moi, c'est quand ça commence à faire vraiment mal. Tu sais, tu te passes la main dans les cheveux, là, puis ça fait mal. Parce que les cheveux sont tous comme pognés d'un bord ou d'un autre. Là. Je peux pas te dire, ça m'a jamais vraiment. C'est ça que si je me rasais les cheveux, je suis sûr que j'aurais plus de problèmes à ce niveau-là. Je pourrais passer un mois sans me laver. C'est dégueulasse. Maman. Un steak avec des asperges gratinées. Petite soupe gaspacho. En gros, là, ce qu'on essaie de dire comme message, là, c'est quand on revient, préparez donc une espèce de grosse bouffe avec tout ce qu'on aime. Là. Pour ma part, ce serait du vin, du fromage, du steak. Vin, fromage avec steak. Avec ce repas-là, avec un gros dessert cochon. La crème glacée. Non. Moi, je préférais genre. Un brownies avec la crème glacée, qu'un coulis. Le gâteau bleu là, que ma mère l'a fait, là, avant qu'on parte. Aussi, c'est bon. J'ai dégusté, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, en route, là. Dégusté ça, je pense, en Saskatchewan ou Manitoba, là, quelque chose comme ça. Là. C'est très bon. Ouais. Fait que là, nos plans, mais on s'est dit que la chaleur commençait à vraiment écœurer, là. Moi, je pense pas qu'on est. Non, c'est ça, ça fait pas longtemps, mais c'est parce qu'il fait excessivement froid ici. Là. C'est pas excessivement dans le sens moins 25, moins 30, mais fait facilement ou en bas de moins 15 la nuit. Puis quand tu dors en bas de moins 15 dans une auto, ben ça fait vraiment beaucoup d'humidité, puis c'est pas agréable. C'est comme dormir tous les soirs dans la même tente que t'as jamais eu le temps de sécher. Puis après, une semaine, ça devient vraiment tannant. Là. Mais on s'est dit qu'on prenait un hôtel par semaine. Ouais. Une fois par semaine, on se paye le motel. On se garde. Puis la dernière fois qu'on l'a fait, là, on a commencé ça la semaine dernière. Puis on en a abusé. Là. On est arrivé à... On a tout rentré notre stock. Là, ça, là, on a rentré tout notre stock dedans. Puis on a... J'ai lavé du linge. On est arrivé à 5 heures, je pense. Puis on est parti de là à 11 heures le lendemain quand il fallait vraiment partir. Mais j'ai lavé du linge. On a fait la... Pouf, ça m'a fait. On a abusé d'internet. Je me suis fait les ongles. Ouais. C'est ça que j'ai dit. Je me reviens de bord pendant que je suis en train de faire du je sais pas quoi au réchaud. C'est quoi j'ai fait? Une omelette. J'ai fait une omelette au réchaud dans un coin. Je me reviens de bord puis Manu est là en train de se faire les ongles. Pourquoi pas? Ouais. C'est la première fois que je voyais ça depuis à peu près 2 mois. Non, j'ai fait dans l'auto autrefois. Ah, c'est vrai. Puis, on est assez occupé ce soir. Là. On a du lavage de cheveux à faire. Là. L'eau est en train de réchauffer sur le poêle. On en prend quand même beaucoup. Ouais. C'est toute une opération, je peux vous dire. À la douche? Ouais, à la douche.